Monsieur le Président, l'année 2023 a été décrétée par le président de la République comme l'année de la jeunesse. C'est pour dire que de nombreuses opportunités et initiatives iront à l'endroit de cette jeunesse. Nous, jeunes de Djibirois, la problématique qui nous intéresse, c'est la jeunesse du Bidiga face au défi de l'insertion socio-professionnelle. C'est pour cela que nous avons été très heureux de savoir que vous qui venez d'arriver, vous qui venez de si loin, vous nous donnez l'occasion d'échanger avec vous. Monsieur le Président, la jeunesse du Bidiga qui s'est mobilisée est venue vous écouter. Est venue parce que cette jeunesse-là, depuis des années, depuis ce que nous avons connu, n'avait plus, on dira, de paix. Mais vous nous avez rassurés lors de vos derniers discours quand vous disiez, vous n'êtes plus orphelin, je suis là, vous avez désormais, cher Bleu Goudé, votre année derrière vous. C'est pour cela que nous sommes là, Monsieur le Président. La jeunesse du Bidiga voudrait vraiment compter sur vous, Monsieur le Président. Vous voyez, nous n'avons pas de siège. Quand on se retrouve, nous les jeunes, là, peut-être c'est dans un matou, moi c'est dans mon petit salon qui fait même 3 mètres sur 2 mètres, on ne peut pas compter tout ce monde-là. La jeunesse du Bidiga voudrait, avec votre appui, avoir un siège digne de ce nom, pour que nous puissions nous retrouver pour partager nos expériences. La jeunesse du Bidiga compte sur vous. Pour son autonomisation, elle compte sur vous. Pour son insertion, elle compte sur vous. Pour sa formation, elle compte sur vous. Mais pour que ça soit réalisable, il faut que nous soyons dans un climat de paix. Dans un climat apaisé, dis-je. Dans un climat de fraternité. C'est pour cela, mesurons notre responsabilité. Quand on dit élection en Côte d'Ivoire, Diburo, les caméras sont dessus comme ça. Et ce n'est pas les vieux, c'est nous les jeunes. Au niveau de l'autonomisation, nous souhaitons, pour lutter contre la cherté de la vie, obtenir le financement d'un projet rizicole.
Aujourd'hui, avec le système de la mécanisation, si nous avons des tracteurs, nous avons en tout cas la mécanisation, un accompagnement sûr, je pense que cette jeunesse-là est en mesure de réaliser 100 hectares de bas-fonds sur l'ensemble du Guidiga. Et les surfaces cultivables sont disponibles dans toutes ces zones que je viens de nommer. Monsieur le Président, le projet de la pocherie, la viande de cocotis, pour parler comme Yopougon, c'est une viande qui est prisée. Nous rêvons d'un projet collectif pour l'ensemble des sous-préfectures de la jeunesse. Un projet ultra-moderne d'une pocherie, un projet d'une pocherie ultra-moderne pour la jeunesse du Guidiga. Telles sont, en quelques mots, nos sollicitations. Et nous voudrons véritablement vous dire merci. Je réussis aujourd'hui à mettre un visage sur le président régional, ensuite un visage sur le président communal et les autres. Je voulais vous dire, chers amis, je suis dans un autre combat. Je suis dans un autre combat. Vous, pour ceux qui n'ont pas de grands diplômes, qui veulent faire des petits métiers comme ce qu'ils ont évoqué, on va commencer par la base de la formation. La formation, ce ne sera pas seulement comment on s'amérit ou comment on fait menuiserie. Non. C'est là que ça commence. On va changer la mentalité. Développement personnel. Est-ce que tu es prêt à affronter les difficultés? Est-ce que tu peux résister face aux difficultés? Est-ce que tu sais que ce que tu en vis là, c'est la réflexion de quelqu'un qui a souffert? Facebook là, c'est pas Dieu qui a expédié. C'est quelqu'un qui a conçu ça. Qu'est-ce que nous on conçoit? C'est par ça que vous et moi on va commencer d'abord. Quand on a fini ça, on peut passer à l'autre étape de financement de vos projets. On dit cette année, c'est l'année de la jeunesse. Chacun de vous ne peut pas se lever pour aller chez le ministre pour lui demander, année de la jeunesse là, ça veut dire quoi? C'est mon rôle. C'est mon rôle de l'appeler pour dire, monsieur le ministre, je veux vous rencontrer. Mais je ne suis pas seul. Je suis avec les représentants de la jeunesse de Guibérois. On veut vous voir. Quand on va arriver, vous allez commencer à parler. Si je vois que vous n'avez pas bien parlé, je vais compléter pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis, et vous dire que je ferai en sorte, tant que moi je suis assis ici, que vous ne vous poursuivez plus à cause d'une élection. Je suis assis ici. Avant les élections, on va se parler. Pour que chacun puisse librement aller voter qui il veut. Et puis quand il finit, il va calmement à la maison. Et puis on est là, et puis on attend le résultat. Celui qui a gagné, c'est notre chef à nous tous. C'est comme ça que les Blancs font, puis ils avancent. Vous avez vu Macron? Les Français sont fâchés à lui, à Thomas. Mais il n'y a pas quelqu'un qui parle de coup d'État. Parce que c'est dans leur culture qu'un mandat, là, c'est 5 ans. Même si tu es fâché. C'est tout ça qu'on doit apprendre. Je voudrais donc vous remercier et vous dire que je suis d'abord ivoirien, je suis d'abord africain avant d'être COGEP. Pour ceux qui ne sont pas COGEP, ne me voyez pas comme COGEP. Voyez-moi comme votre leader. Voyez-moi comme votre leader. Rejoignez-nous au COGEP.